un de mes plats coup de cœur du moment, le risotto carbonara, c'est tellement facile à faire et tellement gourmand. C'est parti! Allez, pour commencer, tu vas venir mettre 4 jaunes d'œufs dans un récipient. Ensuite, tu vas ajouter un peu de pecorino ou du parmesan que tu vas bien mélanger. Dès que tu obtiens une sorte de pâte, c'est parfait, tu vas pouvoir la mettre de côté. Pendant ce temps-là, tu vas te couper un oignon en petits morceaux. On va le faire revenir dans une casserole avec un peu d'huile d'olive. Après 2 petites minutes, tu vas ajouter une bonne dose de riz à risotto. Tu le mélanges une nouvelle fois et ensuite, on va ajouter un petit verre de vin blanc. Ça va ajouter un petit goût supplémentaire, juste incroyable. Pour la cuisson de notre riz, rien de plus simple, tu vas prendre un bouillon cube que tu vas venir mettre dans l'eau. Tu fais chauffer ça au micro-ondes pendant quelques temps. Dès que t'as un beau bouillon, tu vas pouvoir le mettre directement dans ton riz. D'ailleurs, pour la cuisson, je te conseille de mettre un couvercle par-dessus. Ça va permettre de faire bien gonfler le riz comme il faut. Et dès que ton riz a bien imbibé tout le bouillon, tu vas en rajouter une nouvelle fois. Bref, pendant que c'est tranquillement en train de cuire dans une poêle, tu vas venir mettre quelques tranches de bacon. Tu les laisses bien dorer pendant quelques minutes et dès que c'est prêt, tu les mets de côté. Et normalement, si tout se passe bien, à ce moment-là, ton riz il a bien gonflé. Tu vas pouvoir le mettre dans une poêle. Ensuite, ajoute le mélange d'œufs qu'on a fait au tout début de la recette. Tu mélanges un petit peu tout ça et à ce moment-là, tu vas couper ton bacon grossièrement. Enfin, t'as plus qu'à prendre tes morceaux de bacon et les déposer par-dessus ton riz, du pecorino et t'as plus qu'à les guster. Et au fait, je te fais.